année votre couple. Cette petite vidéo va vous permettre de prendre assez de recul pour savoir où vous en êtes. Alors tout d'abord, comment commence un couple? Pour un Indien, à la différence d'un Occidental, c'est que c'est la vie qui vous réunit. Hein? C'est très important. C'est pas moi qui suis arrivée à convaincre l'autre, je n'ai pas des talents de séducteur, aucune femme ne me résiste, et inversement pour les femmes, je suis un canon, tout le monde veut de moi. Non, ça n'existe pas. C'est la vie qui met en connexion, et on ne sait pas pourquoi c'est lui, on ne sait pas pourquoi c'est elle. C'est juste qu'on a envie de s'approcher. Et quand ça fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne vraiment? C'est que quand l'autre parle, il vous raconte son monde et vous avez l'impression de voir le même monde que le vôtre. C'est-à-dire, ce que vous vérifiez en vous regardant, c'est que vous regardez la vie à peu près dans le même sens, au niveau de vos désirs, de vos objectifs, et que votre passé, des fois, a aussi des résonances, et que donc, vous avez le sentiment d'être sur la même route. Donc, c'est un peu comme si vous étiez à Saint-Jacques-de-Compostelle et que vous avez un pote qui arrive à côté et vous dites « Waouh, tu vas là, moi aussi, on y va !» Donc, c'est vraiment comme ça. Le début, c'est cette joie d'être sur une route dont le paysage semble ressembler à celui de votre partenaire. Et ça, c'est la rencontre. Quand c'est qu'on sait que ça va mal, c'est quand la vie, les épreuves de la vie, l'évolution de votre travail, que sais-je, a fait que votre façon de vous projeter, d'être sur la route, devient différente. Et là, vous commencez à vous regarder pour vous raconter chacun ce que vous voyez. Et quand il y en a un qui décrit son monde, l'autre ne s'y reconnaît pas, et inversement. Et il faut donc essayer d'amener l'autre dans un monde que, spontanément, l'autre n'a pas vu. Alors on passe, on se regarde, les yeux dans les yeux, et on s'étouffe, parce qu'il y a une incompréhension de la route que l'on semble suivre. Et c'est ce qui dit... Là, on est en danger. C'est pour ça que souvent je dis, quand vous êtes dans cette période ou quand vous racontez, tiens, tu sais ce qu'on pourrait faire, c'est partir en vacances et puis peut-être si on prenait une année sabbatique, allez, on met les enfants et on y va quand même. Et que l'autre dit, mais attends, et la carrière et ton truc. Je dis, mais ça va, on peut faire un repos. Et l'autre lui dit, mais non, parce que là, je suis sur le point d'être nommée, je peux avoir une plus grande sécurité. Et vous dites, hey, on parle de quel monde? Quand vous vous êtes rencontrés, tous les deux, vous aviez envie de voyage, de faire des tas de choses, vous partagez le même désir. Et puis tout d'un coup, chacun raconte un monde, une suite du voyage qui n'a rien à voir. Alors il faut convaincre l'autre. On lui dit, bon, bah, écoute, pendant un an on fait ça, puis après on le fera l'année prochaine, tu es d'accord? Et on se retrouve dans la négociation. À ce moment-là, l'histoire se termine. C'est pour ça qu'un des soins que vous pouvez donner à votre couple, c'est de réaliser quelque chose en commun, de trouver quelle est la part de rêve que vous pouvez partager. Alors, des fois, pour se soigner, les gens trouvent des solutions. Ils font un enfant, par exemple, hein, ils reçoivent un enfant, ils se disent, ah ben là, au moins, hop, on va avoir un rêve commun, mais on se rend compte au cours de l'éducation, tout simplement, qu'à nouveau, le chemin n'est pas le même. Ou alors, on construit une maison, et puis on se rend compte à l'intérieur de la maison qu'on s'y étouffe aussi. Non, c'est vraiment pas se regarder dans les yeux, c'est quand on a cette légèreté de trouver dans l'autre le même chemin sur lequel on se trouve et dans lequel on se projette. Voilà, c'est la route des couples. Faites le point et puis écrivez-moi. Hein. J'aime bien ça. Au revoir.